Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'heure Corgélion. Bon, je viens de terminer ma session. Le deck blanc a fait son boulot, même s'il en a pris plein la tête. Le Orzhov avait commencé et la mission c'était du Dimir. Mais mon Dimir est pas bon du tout, donc je l'ai utilisé quoi? 2-3 fois. Sur 2-3 fois, j'ai perdu une fois, j'ai gagné deux fois et j'ai rempli la mission quoi, mais ouais, le Dimir est amélioré. Non, c'est le Orzhov et toujours mon blanc hein, qui font le boulot, et le blanc m'a agréablement surpris sur certaines parties, même sur d'autres. Je suis assez frustré parce que les y a pas mal de comment ça s'appelle, il y a pas mal de défaites que j'ai. C'est pas que j'ai pas les cartes, c'est qu'elles sortent pas au bon moment, donc c'est énervant quoi. C'est vraiment énervant. Quand vous savez que vous avez des volants et que, en fait, dans votre tirage, il n'y en a aucun qui sort, alors qu'en face, il n'y a que des volants, et que c'est des petits volants en plus, vous pourriez les massacrer comme pas possible avec vos cartes. Le problème, c'est que vos cartes sortent pas. C'est assez énervant, quoi. Bon, en tout cas, je suis pas là pour raconter ma vie. Donc, 140 gemmes, 3100, plus rien, le coffre est ouvert à 16. Ici, au niveau de la maîtrise, on est au niveau 8. Donc, voilà, ça fait pas une semaine, si, peut-être maintenant, non? Moi, ouais, je sais plus. C'est quand qu'il est sorti déjà ce truc? On est vendredi là. Ah si, ça fait une semaine. Ok, déjà. Ouais. Donc j'aime non, booster. On en prend 3. Ok, c'est bon. De ce fait, maintenant, il nous en restera 6 pour dire d'avoir un booster doré. Ici, premier booster. On devra avoir un joker bleu. Alors, Ugluk de la main blanche. Pour un deck Rakdos, il arrive au quatrième round, créature légendaire, orc et soldat. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur plus un sur Uglux. De la main blanche, si cette créature était un gobelin ou un orc, mettez deux marqueurs sur Uglux à la place. Il a 3 en force et 3 en défense, et il a sa petite phrase, c'est « Je suis Uglux ». Je commande, je rentre en Isengard par le chemin le plus court. Ensuite, on a Incursion d'Orques, carte rouge qui arrive au quatrième round rituel. Amassez des orques 2 quand vous faites ainsi. L'incursion d'Orques inflige X blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, X étant la force de l'armée amassée. Et amasser orque 2, c'est mettez deux marqueurs plus un sur une armée que vous contrôlez. Si c'est aussi des orques, un orque, si vous ne contrôlez pas d'armée, d'abord créez d'abord un jeton de créature 0-0 noir orque armée. Ok. D'accord. Pas mal de jetons hein, quand même là du côté orque. Carte verte qui arrive au troisième round, c'est Elfe rencontré par hasard. Créature, elfe et guerrier. À chaque fois que vous appliquez le regard, vous mettez un marqueur plus un sur les elfes rencontrés par hasard. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour.
Ouais, donc ça sert à rien de bourrer en. Par contre, il faut des. Celle-là, elle se joue en combo, en synergie avec regard. Donc en gros, ouais. Ouais. Après, c'est qu'une carte, quoi. C'est vous faites pas monter tout le monde, vous faites monter qu'une seule carte. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais. Et puis c'est une 3-2, donc si elle monte. Elle monte aussi bien en plus en force qu'en défense, ce qui est pas si mal parce que des fois ça fait monter que la force et la défense elle reste à 2, c'est autant dire que c'est risible. Hein. Vous pouvez mettre 36 de dégâts, mais si vous vous faites intercepter par une petite carte de 2, vous êtes mort quoi. Donc ouais. Ou alors faut réussir à lui mettre aussi comment ça s'appelle? Piétinement. Pour être sûr que si elle fait plusieurs dégâts, que même si elle soit interceptée, le reste des dégâts passe à travers quoi. Pour fendre l'impérissable carte rouge qu'on connaît, je ne la présente plus. Dard de Hobbit, carte blanche qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'éphémère. Le Dard de Hobbit inflige X blessures à une créature ciblée. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre de nourriture que vous contrôlez. Ouais, donc le Hobbit se joue vraiment sur les jetons nourriture. Avec Mondrak. Est-ce que Mondrak, elle multiplie les jetons nourriture aussi? Faudrait essayer, tiens. Un point pour la compter, s'écria Aragorn. La morsure des hobbits est profonde. Vous avez une bonne lame, Frodon, fils de Drogon. Ensuite, enveloppe héritée, carte incolore. C'est un sort d'artefact. Quand l'enveloppe héritée arrive sur le champ de bataille, l'anneau vous tente. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Fureur de Gimli. Carte rouge qui arrive au deuxième round. C'est un sort d'éphémère. Une créature ciblée gagne plus 3, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Non, laisse tomber. Si elle est légendaire, elle acquiert aussi le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, non, ça sert à rien, c'est une carte de merde. Bon, première grosse carte, on y va. Alors, c'est une carte verte qui arrive au quatrième round qui s'appelle L'anneau prend le chemin du sud. C'est un sort de rituel. L'anneau vous tente, puis révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de terrain. X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. Mettez ces cartes de terrain sur le champ de bataille. Ouh, elle est méchante! Engagée. Et le reste. Au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre aléatoire. En plus, on perd même pas ces autres cartes. X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. Donc, ça veut dire qu'il faut jouer légendaire, créature légendaire. Faut jouer terrain, donc touche terre. Touche terre, légendaire, touche terre, Scalern. Oh, vous posez le Scalern derrière, vous posez pour peu que vous ayez en plus des légendaires touche terre. Faudrait voir si ça existe, ça, légendaire touche terre. Ou alors des créatures du type qui montent très vite là en grue, ça peut se jouer. C'est avec le touche-terre en fait, elle monte en puissance. Moralité, bah, c'est un carnage en fait. Parce que là, vous avez 10 terrains qui peuvent dégager, non? X. Donc, X carte terrain, X. Ouais. Non, mais il y a un truc à faire là entre les scalaires, les terrains dégagés et les créatures légendaires. Il y a une petite boucle à mettre en place à chaque round.
Bon, évidemment, vous allez vous faire péter les cartes, hein. Il va falloir que vous ayez pas mal d'exemplaires et que vous puissiez aussi faire de la de ramener ramener les cartes, de rejouer les cartes à la rigueur du cimetière. Donc il faudra un truc qui équipe du flash en fait. Ah ouais, non, mais elle peut faire très mal. Deuxième round, et ça y est, on a un joker bluff ici. Donc un courant, un inhabituel, cool. Gripoil, c'est le cheval de Gandalf, ça, Gripoil, si je me rappelle bien. Bah on connaît, hein, c'est pour un Boros. Ah, Simir, vert bleu, c'est Simir, je crois. Legolas, compteur des morts. Ouf. Elle arrive au quatrième round. C'est une créature légendaire, elfe et archer. Elle est équipée de la portée, donc elle est très bien. À chaque fois que vous appliquez le regard, si Legolas compteur de mort est engagé, vous pouvez le dégager. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. À chaque fois qu'une créature, qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur Legolas, d'accord. Donc en fait, ça incite à attaquer et à essayer de faire un carnage, quoi. Plus vous tuez, ou alors, encore plus mauvais, la carte qui tue les ennemis, qui rase le board. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez avec une armada de plus 1 sur Legolas. Il y avait une petite phrase. Ouais. 2, dit Legolas. Mon compte s'élève au moins à 20. Ouais, c'est quand il fait un concours avec Gimli, non? Sur le nombre d'adversaires qui vont tuer. Ensuite, Bourrasque Glorieuse, carte bleue qui arrive au deuxième round, c'est un sort d'éphémère. Contrecarrer un sort de créature ciblée. Si c'était un sort légendaire, l'anneau vous tente. Ok, petite phrase. Les elfes de Lorian prirent Dol Guldur, Galadrienne mit les murs à bas, dévoilant les fosses, et la forêt fut purifiée. Ok. Un courant. Ouais. Carte blanche, messager du Gondor, qui arrive au troisième round, créature, humain et soldat. Quand le messager du Gondor arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, puis si vous ne le contrôlez pas de si puis si vous ne contrôlez pas de créature légendaire, mettez une carte dans votre main au-dessus de votre bibliothèque. Au-dessous de votre bibliothèque. Ok, donc t'es obligé de jouer avec du légendaire là. Faut vraiment vouloir la jouer celle-là. Fureur d'Inde, carte verte qu'on connaît. Pareil pour le porteur de cul-de-sac, on connaît aussi. On passe à la deuxième grosse carte de la session. Dar, la dague étincelante. Carte incolore. Niveau 2, donc elle arrive au deuxième round. Artefact légendaire. Ouf. Équipement. La créature équipée gagne plus 1 et a la célérité au début de chaque combat. Dégagez la créature équipée. D'accord. Ah, donc elle a pas, elle s'engage pas en fait, puisque c'est au début de chaque combat. Avant chaque combat, elle se dégage. Donc c'est comme si elle n'était pas engagée. La créature équipée, quoique elle peut se faire intercepter par une carte qui peut intercepter une créature engagée quand même jusqu'au moment où elle arrive au prochain combat. La créature équipée a l'initiative tant qu'elle bloque ou est bloquée par un gobelin ou un orc. Équipement 2. Ça jouait en Boros, ça. Ouais, ça joue en Boros, ça. Elle est intéressante. Elle est méga intéressante. En plus, le truc, c'est comme. Elle est fourbe sur les premiers rounds. Parce que.
Vous avez équipé votre créature, vous l'avez engagée. Votre adversaire se dit, bon, bah, la créature engagée, comme elle est engagée, je peux passer. Il envoie ses cartes en disant, c'est bon, ça passe. Sauf que, au moment où il les a engagées, bling, votre carte, elle se désengage. Ou alors, elle le fait avant qu'il attaque. Faut voir si elle le fait avant qu'il attaque ou après qu'il ait attaqué. Si c'est après qu'il ait attaqué, franchement, c'est méchant. Parce qu'en gros, la première fois, il se fait gauler, vous pouvez lui claquer une carte qu'il aurait jamais joué, qui aurait jamais fait attaquer, quoi. À voir. J'aimerais bien. Faudrait savoir si c'est avant ou après l'engagement. Mais bon. Enfin, l'attaque. Mais comme ça, en début de combat. Il y a des chances qu'en défense, ça se fasse avant l'attaque de l'adversaire. Allez, dernier. Ok, un nouveau inhabituel. Carte verte nouvelle, restauration antique. Ils ont fait une faute sur antique, c'est pas un. Elle arrive au troisième round, c'est un sort d'éphémère, sacrifier un terrain, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain, base, mettez-les sur le champ de bataille, engagé, puis mélangé. Ça c'est pour les decks ramp. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, à la place cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à trois cartes. Ouais, donc ouais, c'est de la ramp, c'est de la grosse ramp. Parce que trois cartes pour un sacrifice, ça vaut le coup. Mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Petite phrase, bienvenue dans les jardins boisés d'Hortank. Ok. Et ici, c'est quoi? Vent du sol, carte bleue qui arrive au cinquième round, créature élémentale. À l'équipée du vol, quand le vent du sol arrive sur le champ de bataille, regarde. Ah, ça se joue en combo avec une autre carte là. Elle a 3 en force et 4 en défense. Petite phrase. Les branches du sol vacillèrent de plus en plus violemment. Frodo appela à l'aide. Mais il pouvait à peine entendre sa propre voix. Elle était emportée par le vent du sol et se noyait dans la clameur des feuilles. Ok. Ensuite, épouvantail de la comté. On est sur une carte incolore au niveau 2. Donc elle arrive au deuxième round, au niveau mana. Créature, artefact et épouvantail. Elle est équipée du défenseur. Donc c'est une carte de défense. Pour 1. Incolore, ajoutez mana de la couleur de votre choix, n'activez qu'une seule fois par tour. D'accord. Donc elle est équipée du défenseur et elle permet de faire de la mana au choix. Petite phrase, que votre jardin est chatoyant, Gandalf. Pour fendre l'impérissable, carte rouge qu'on connaît. Ruée dans la pièce, carte rouge toute nouvelle qui arrive au premier round, c'est un sort d'éphémère. Une créature ciblée gagne plus 1, plus 0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Bon, ça c'est le genre de carte Osef. Si c'est un gobelin ou un orc, elle acquiert aussi la célérité jusqu'à la fin du tour. Bof. Il y a une petite phrase, ouais, il y avait une petite phrase. On entendit le son d'un corps et le piétinement de nombreux pieds. Et les orques pénétrèrent dans la chambre l'un après l'autre. Ok. Initiative, célérité. Ouais, non. Carte rouge encore, une nouvelle, jetée dans le feu. Elle arrive au deuxième round, c'est un sort d'éphémère, choisissez l'un. Ciblez jusqu'à deux créatures jetées dans le feu, leur inflige une blessure à chacune. Ça c'est bien contre les jetons. 1-1. Exiler un artefact ciblé. C'est pas mal aussi. Petite phrase. Sangolum.
je n'aurais pas pu réussir à détruire l'anneau. Alors accordons-lui notre pardon, car la quête est accomplie et tout est maintenant terminé, Frodo. Ok. Dernière carte de la session. Corps du Gondor, artefact légendaire. Qu'est-ce que j'ai pu le voir celui-là? Quand le corps du Gondor arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. Pour 3 ainsi que son engagement, créez X jetons de créature 1-1 blanche, humain et soldat, X étant le nombre d'humains que vous contrôlez. Ok, bon, j'annonce, elle va se retrouver dans mon deck blanc. Ouais, ok. Ok, bon, bah, j'ai déjà une nouvelle carte sur la nouvelle collection. C'est super. J'ai bien compris, hein, 3 manas engagés. Hein. Corps du Gondor. Corps du Gondor. Faut que je le retienne. Bon, on va les voir. Alors, on est bien au 8e hein, level, déjà au niveau de l'arbre. Et ici, je suis déjà à 32%. 32%, bon, bah, on voit, hein, de toute façon. Même si c'est pas en lien avec le. Comment on appelle ça? Que c'est la conception de. Ouais, parce que je faisais une erreur. Hein. Je pensais que c'était les algorithmes, mais en fait non, c'est les boosters sont organisés pour créer ce genre de phénomène qui est donné très peu de belles cartes et donné beaucoup de petites cartes merdouilles. Voilà. Bon, en tout cas, ça change rien sur le fait que c'est quand même un pay to win. Et qu'à la fin, si vous voulez monter, il faudra sacrifier du Joker. Comme vous voyez là, les Jokers que j'ai, il n'y en a aucun en rare et aucun en mythique. Donc, on a le temps. Allez, on va se quitter. Je vous dis au revoir. Si vous n'avez pas fait attention, j'ai commencé une série de tutos. J'ai posté la première ce matin. Alors évidemment, il y aura un décalage, mais au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, il devrait y avoir plus d'une dizaine de tutos. Et encore, on n'est qu'au début. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il y en aura le double ou le triple. Allez, je vous dis salut. Bye bye.